Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Puis vint... Et c'est quoi l'âge d'or des comics ? Déjà, l'âge d'or. Pourquoi pas l'âge du diamant ou celui de la pizza ? Eh bien, ce terme fait tout simplement référence aux âges de l'humanité décrits dans la mythologie grecque. Il y a l'âge d'or, qui est l'âge qui suit la création des hommes, un temps de prospérité. L'âge d'argent, ça va plutôt bien, mais il y a quelques petits problèmes qui commencent à apparaître. L'âge des reins, alors là, le mal prend le dessus, les vices apparaissent. Et pour finir, l'âge de fer, où l'homme n'est que corruption et monstruosité. L'expression serait apparue dans les années 60 dans un courrier des lecteurs. D'accord, donc c'était une période de prospérité. Et commence quand exactement ? Pour les comics, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, ça marchait super. Faut dire que les Américains avaient eu bien besoin d'évasion dans les années qui suivirent la Grande Dépression de 1929. Sans parler de la montée au pouvoir d'un certain moustachu en Allemagne. Ça commence quand ? Oui, oui, j'y arrive. La date la plus communément prise est celle de l'apparition de Superman. Pourquoi ? Car c'est avec lui que débuta la mythologie des super-héros, et que les comics explosèrent leur chiffre de vente au passage. En 1937, alors que Will Eisner fonda un studio de fabrication de comics, que la première héroïne des comic books était apparue, Sheena, Reine de la Jungle, et que Max Gain, le popa des comics, était sur le point de fonder All American Publication, on fit passer à ce dernier un projet de comic strip que souhaitaient faire publier deux jeunes auteurs. Ces derniers tentèrent de le vendre ailleurs depuis 1933, mais sans succès. Gaines, lui, fut tout de suite conquis, mais pensa qu'il fallait publier cette histoire dans un comic book et non un strip. Les auteurs modifièrent leur création en conséquence, et le résultat fut présenté aux dirigeants de la National Allied Publication. Convaincus par leur ami Max Gain, ils décidèrent de donner une chance à ce personnage en le lançant avec le premier numéro de leur prochain comic book. Il apparut en avril 1938, la même année que la famille Adams, sur la couverture d'Action Comics numéro 1. Au passage, la même année, Blondie fut adapté en film et The Spiderwebs, super-héros issu des Pulps, en céréales. Mais revenons à ce héros d'un nouveau genre qui conquit immédiatement le public. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que Superman ait tellement eu d'impact ? Car les héros capables de faire des choses extraordinaires, bah... ça existait déjà ! Comme Tarzan, Doc Savage, Flash Gordon, The Shadow, etc, etc. Eh bien, tout d'abord, ses capacités. Certes, il existait déjà des surhommes dans le domaine de la fiction, mais avec Superman, on passait à un autre niveau. Capable de courir plus vite qu'un train, de sauter par-dessus les buildings, doté d'une force surhumaine, de sens surdéveloppé, c'était du jamais vu auparavant. Même si le Superman de cette époque était bien moins puissant que celui d'aujourd'hui, ça restait impressionnant pour un enfant des années 30. Tous ses pouvoirs s'expliquaient par le fait qu'il venait d'une autre planète, la différence de masse et de pression atmosphérique lui procurant ses capacités extraordinaires. Il possède à lui tout seul une bonne partie de toutes les capacités surhumaines possible. Et elles sont multipliées. Logique, il est appelé Superman en fait. Mais pas que, il porte également un costume très distinctif, immédiatement reconnaissable, comme l'avaient fait avant lui des personnages tels que le Green Hornet, Lone Ranger, Zorro ou encore The Shadow. Et pour finir, il a une double identité, une vie civile, ce qui le rend plus humain, donc plus facile pour l'identification, et celle du héros œuvrant pour la justice et la vérité, comme pour le Green Hornet, le Shadow ou encore Zorro. Tous ces éléments sont les bases de ce qui définit ce type de personnage qu'est le super-héros. Mais en fait, ils ont rien créé, ça existait déjà auparavant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une polémique qui dure depuis de nombreuses années sur le fait que Superman soit ou non le premier des super-héros. Alors, pourquoi il est considéré comme le premier ? Je pense personnellement parce que c'est le premier personnage de ce type à avoir toutes ses spécificités réunies dans la BD. Tout simplement, et parce que les super-héros furent associés principalement aux comics. Mais également aussi à cause de l'énorme succès commercial et populaire qu'il fut. Là où les comics strips visaient en priorité un public adulte, les comics, eux, cherchaient à séduire un public plus jeune, un public ne se souciant pas de la cohérence des histoires. Et à cause de cela, ils furent majoritairement perçus comme une lecture enfantine, sans grand intérêt. Mais le succès de Superman changea la donne. Bon écoute, de toute façon, on n'est pas là pour parler de la définition des super-héros, mais de l'histoire des comics. Donc on va faire comme tout le monde et considérer que c'est le premier des super-héros, ok ? T'as intérêt de me parler sur un autre ton, mon gars ? Je pouvais plus durer ! Il fallait en finir avec la tyrannie ! Seule solution que je voyais, c'est de la tuer. Oh oui, la tuer. Lui ouvrir le ventre triste. Oh ! On t'a pas appris à répondre aux questions, espèce de trou du cul ? Superman fut un carton comme jamais il y en eut auparavant. 1 million d'exemplaires pour le premier Action Comics. Pas mal pour un type en collant combattant des gangsters ordinaires. Car oui, à l'époque, les histoires n'avaient rien de complexe. Il s'agissait de simples combats entre le bien et le mal, mais dans un contexte tout de même très proche de la vie de l'époque. Pour certains, ce serait ce mélange d'extraordinaire et d'ordinaire, allié à la simplicité des récits, qui serait en partie la cause de son succès fulgurant. Moins d'un an après sa création, il obtenut son propre comic strip, réalisant donc le rêve de ses créateurs. Il était également déjà exporté dans le monde. En
France, par exemple, il apparut dans les pages du magazine Aventure, sous le doux nom de Jordi. En Belgique, salut les Belges, où il apparut dans les pages du journal de Spirou, il se fit connaître en tant que Marc, l'Hercule moderne. Durant l'été 1939, un comic book à son nom fut édité à plus d'un million d'exemplaires, là où auparavant, généralement, les ventes tournaient autour des 300 000. Gros gros succès! Et donc, les super-héros envahirent les pages des comics, comme le premier Sandman. Mais surtout... Créé par Bill Finger et Bob Kane, Batman est apparu dans le numéro 27 de Detective Comics. Ce dernier, contrairement à Superman, n'est pas un surhomme. Il n'est qu'un simple humain en costume faisant justice durant la nuit. Ça te rappelle pas un peu quelque chose ? The Shadow knows. Bref, très fortement influencé par ce pulp, et d'autres, par quelques films qu'ils avaient vus, Bill Finger et Bob Kane proposèrent ce mix entre Zorro, Dracula et The Shadow. Bah c'est pas un super-héros alors. Bah si, parce qu'il a tout de même des capacités hors du commun. Lequel ? C'est de pas avoir peur d'être ridicule, d'être riche ? Bah c'est le plus grand détective du monde. Je suis pas sûr. Il mesure combien Sherlock Holmes ? Et cette créature de la nuit, bourrée de gadgets qui suscita autant d'engouement que Superman, démontra aux éditeurs que création originale pouvait être synonyme de... C'est à ce moment-là que les comic strips, qui étaient la priorité, ne le devinrent plus. Mais même si le milieu était mieux considéré, il était inconcevable pour un auteur de faire carrière dans les comic books. C'était plus alimentaire que prestigieux. Un peu comme avec les comic strips en fait. Malgré cela, les cartons coup sur coup de la future DC avec Superman et Batman donnèrent l'idée à Martin Goodman de se lancer dans les comics. Il fonda donc Timely Publications. Et à peine sa boîte fut lancée qu'il présenta Namor, l'un des premiers, si ce n'est le premier, anti-héros des comic books, suivi très rapidement de Human Torch. Ouais, je vais l'appeler comme ça pour le différencier de la future torche humaine des 4 Fantastiques parce que sinon c'est le gros bordel. Hein. Quant à Will Eisner et Jerry Iger, ils proposèrent leur propre Superman avec Wonder Man. Et ils seront poursuivis par la National Allied pour plagiat. Tout comme Fawcett Publications, qui proposa avec Wiz Comics les aventures de Captain Marvel de Sissy Beck et Bill Parker dès l'année suivante. Captain Marvel, ou Shazam comme il est connu aujourd'hui, raconte les aventures de Billy Batson, jeune orphelin des rues qui se transforme en super-héros doté de pouvoirs divins après avoir hurlé le mot magique « Shazam ». La ressemblance avec Superman, design, pouvoir, tout ça, fut le prétexte de National Allied pour le procès. Le personnage eut un énorme succès et fut un très sérieux concurrent à Superman. Tous les gamins rêvaient d'être à la place de Billy Batson après tout. Et vu l'engouement que créa le personnage auprès des enfants, je suis tenté de dire qu'il eut une part d'influence dans la création du premier des sidekicks des comics, Robin. Un sidekick, ça peut être un faire-valoir, un bras droit, une aide. Mais dans tous les cas, c'est un compagnon du héros, généralement un enfant. Ce dernier permet d'éviter aux auteurs de faire de longs monologues explicatifs. Car avant la venue des sidekicks, les héros étaient des solitaires qui pensaient beaucoup. Beaucoup. Faut dire qu'à l'époque, les récits étaient très descriptifs, dû en grande partie à cause de la méthode des studios. L'arrivée d'un personnage comme Robin permit de rendre les histoires plus dynamiques. Et également de changer le ton des comics Batman, passant d'une ambiance très sombre et dure à quelque chose de beaucoup plus léger. Le procédé du sidekick fut repris dans de nombreuses BD super-héroïques, comme l'on peut le constater avec Toro chez Human Torch ou encore Speedy en 1941 chez Green Arrow, et bien d'autres. 1940 fut également l'année d'apparition de Flash, Green Lantern, Atom et de l'une des premières super-héroïnes. Wonder Woman. Et non, Oh Girl. Oh Girl. Et pourquoi l'une des premières? Car la même année, mais plus tard, le personnage de Red Tornado, une super-héroïne costumée, fit également son apparition. Et même si elle ne pointa le bout de son nez que quelques mois après Oh Girl, son alter ego, ma uncle, était là la première. De quoi? Ils ont pris un personnage féminin préexistant et ils en ont fait une super-héroïne en fait. Contrairement à Girl qui a été conçue comme une super-héroïne dès le départ. Bah voilà, t'aurais pu le dire comme ça. C'est aussi en 1940 que se rassemblèrent Flash, Hawkman, Green Lantern, Hourman, Sandman et le Spectre pour le premier crossover entre deux maisons d'édition. Oui, parce qu'en fait, même si All American mettait le logo DC sur ses comics, normalement c'était une société bien distincte de National. Mais elle s'entraidait, car Harry Donenfeld avait ses billes dans les deux sociétés. Il était à la fois président de la National et cofondateur avec Max Gain de la All American. Bref, elle copublie All Star Comics qui mit donc en scène la Justice Society of America. Et si Superman et Batman, les deux superstars de National, n'ont fait qu'une timide apparition au sein de cette équipe, c'est tout simplement parce qu'elle fut créée dans le but de mettre en avant des super-héros qui vendaient moins en fait. Cette année-là, un autre monument de la BD américaine fit son entrée, The Spirit, de Will Eisner. Cette BD raconte l'histoire d'un inspecteur déclaré mort qui joue les justiciers masqués. Postulat basique sur lequel l'un des comics les plus matures, les plus adultes de son époque évolua et s'enrichit durant 12 ans. Il est estimé qu'à cette époque, il se vendait 10 millions de comics chaque mois. Donc tu t'imagines bien qu'il n'y avait pas que du super-héros.
Même s'ils dominèrent largement le marché, les autres genres étaient tout de même très présents, comme le western par exemple, qui adapta des stars de cinéma en personnages de BD, comme Tom Mix ou Gene Autry. Des noms qui te disent rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des stars. Si, si, je te jure. Même John Wayne y eut droit quelques années plus tard. Ou encore Red Rider, cowboy des comic strips. Je te disais que le western ça marchait bien. Et alors que le dictateur de Charlie Chaplin sortait sur les écrans aux États-Unis, ce dernier fut sûrement précédé d'un épisode du serial The Shadow, Green Hornet ou encore Green Archer, tous issus des pulps. Tandis que la Seconde Guerre mondiale fit rage en Europe, Joe Simon et Jack Kirby, les deux rédacteurs en chef chez Timely, présentèrent leur nouvelle création, Captain America. Je vais pas développer sur lui car je lui ai déjà consacré un épisode entier. Alors fais-toi plaisir, voici le lien, clique, clique. Ça me permettra peut-être d'avoir de la bouffe ce mois-ci. Captain America, c'est donc un jeune soldat devenu l'humain parfait et qui va servir à botter le cul des nazis. Super héros patriotique, même s'il n'était pas le premier, coucou The Shield, il fut le premier véritable carton de Timely avec plus d'un million d'exemplaires vendus pour le premier numéro. Combattant le terrible nazi Red Skull, Captain America était plus qu'une simple BD pour les enfants, c'était également un outil de propagande. À l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre et Simon et Kirby étaient convaincus que l'Amérique devait intervenir dans les événements européens. Les comics sont devenus plus qu'un simple divertissement enfantin à ce moment-là. Pour en savoir plus sur le cas des comics durant la Seconde Guerre mondiale, je te renvoie vers cette émission de Comics Ray. En plus, il y a le chef, donc c'est cool, parce qu'il y a le chef et Chris, donc double effet qui se coule. Le succès fut tel que de nombreux ersatz suivirent, comme l'oncle Sam, par exemple de Will Eisner, The Patriot, Miss America, Airboy, Black Hawk, The Defender, etc., etc. Les super-héros patriotes avaient le vent en poupe. Surtout les aviateurs. J'ai pas compris. Les aviateurs en poupe. Kirby et Simon eux-mêmes exploitèrent le filon à fond, en créant par exemple Young Allies, comic dans lequel Bucky, le sidekick de Cap, et Toro, celui de Human Torch, firent équipe. Et après avoir connu les joies des comic strips et du serial, The Shadow fut enfin adapté en comic books. Juste retour des choses pour ce justicier qui inspira le plus célèbre d'entre eux. Ça montre surtout que les éditeurs surfaient sur tout ce qui avait du succès, quoi. Pas faux, puisque Superman, toujours en pleine gloire, se fit adapter en feuilleton radio. Alors ça peut paraître anecdotique, sur le coup, mais ce feuilleton eut un impact assez énorme sur la mythologie comics du personnage. Jimmy Olsen y fut créé en avril 1940 par exemple, ou même la kryptonite, la plus grande faiblesse de Superman. Pour expliquer le changement de voix de l'interprète du super-héros qui était dû à un rhume. La même année, l'on peut noter l'apparition des céréales Red Rider, adaptation du comic strip du même nom, et de Mysterious Dr. Satan, céréale écrit à l'origine pour Superman, mais qui pour des raisons de droit ne se fit pas avec lui. Le script fut donc remanié en conséquence. L'année suivante, la trinité de DC fut enfin complétée, avec l'arrivée de Wonder Woman, première super-héroïne créée en priorité pour un public féminin. Contrairement à ses collègues masculins, cette dernière ne fait pas qu'arrêter les criminels, elle cherche également à rendre le monde meilleur, par le biais de l'amour et de la vérité. Très populaire, elle ouvrit la voie à d'autres super-héroïnes, comme Miss Fury, Black Cat, Miss America, Black Canary, etc. etc. Toujours en 1941, parce qu'il s'était passé plein de trucs, apparaît c'est Archie dans les pages de Pep Comics. Archie, c'est un jeune adolescent ne pensant qu'aux filles et vivant un triangle amoureux à Riverdale. Dans la droite lignée d'Harold Teen, comic strip de 1919, Archie s'inspirait du quotidien des teenagers américains. Et d'ailleurs toujours, puisqu'une nouvelle adaptation est diffusée depuis début 2017. Donc rien à voir avec les super-héros. Ce jeune lycéen eut beaucoup de succès, particulièrement auprès du public féminin, engendrant une foule de séries dérivées dont l'une d'elles n'est autre que... Et ouais, Sabrina l'apprentie sorcière avec Melissa Joan Hart est une adaptation d'un comic dérivé de la série Archie qui lança donc le Teenage Comics. Autre genre qui était en pleine ascension, les Funny Animals, ou animaux drôles. C'est-à-dire des BD mettant en scène Bugs Bunny, Mickey, Woody Woodpecker, etc. Comme tu t'en doutes, le public qui était principalement visé était les jeunes enfants. Bref, les comic books étaient en pleine expansion. Action Comics, par exemple, se vendait régulièrement à 900 000 exemplaires, et l'on pouvait trouver plus d'une centaine de comics sur les présentoirs des marchands de journaux ou des drugstores. Et alors que Superman fut adapté en dessin animé par les studios Fleischer en 1941, son plus grand concurrent eut l'honneur d'une adaptation live. Et ouais, Captain Marvel est le premier super-héros issu d'un comic book à apparaître en chair et en os sur les écrans de cinéma par le biais d'un serial de 12 épisodes produit par Republic Pictures.
Il s'agit d'aventures naïves où le super-héros n'hésite pas à battre ses ennemis. Ce fut un succès. En même temps, tous les éléments du serial y étaient. De l'action, des belles images, des cascades, et le personnage principal était déjà une star. Fawcett Comics ne perdit pas de temps, puisque un an plus tard, un autre de leurs super-héros se vit adapté, Spy Smasher, un mix entre Batman et Blue Beetle, super-héros apparu en 1939. Puis, le 7 décembre 1941... L'entrée en guerre des États-Unis eut bien évidemment un impact sur le monde des comics. Tout d'abord au niveau des récits. De nombreux super-héros s'engagèrent dans le conflit, comme Superman par exemple. Après Captain America, Namor ou encore Human Torch quand même. Hein. Oui, sur ce coup, Timely fut précurseur. Le média comics fut utilisé par l'armée comme moyen de propagande, mais également pour remonter le moral des troupes puisqu'elle en fut le plus gros acheteur. En 1942, alors que Superman devenait un super-héros dans un roman, son comic book fut inclus dans la liste des fournitures prioritaires par la marine. Ah bah putain, c'était super important les comics! Énormément! Alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout pas. Si, si. Bah non. Si, si. Bah non. Si, si. Non? Et on va pas se mentir, hein, déjà qu'avant la guerre, les histoires, elles étaient pas bien complexes, alors pendant, elles devinrent surtout des bandes dessinées de guerre, c'est-à-dire des histoires racontant des faits d'armes contre les nazis. Cela amena forcément à créer des super-héros également plus terre-à-terre, plus humains, pour rendre le contexte des histoires plus crédibles et plus réalistes. Ainsi, apparurent de nombreux super-héros, des patriotes simplement costumés, des aviateurs, ou même de simples enfants, tous participant à l'effort de guerre. Simon et Kirby, oui, encore eux, créèrent coup sur coup The New Boys Legion et The Boys Commando, des BD dans la droite lignée de Young Allies. Le comic book de guerre était le genre dominant, avec ses super-héros patriotiques, ses héros de guerre et ses bandes de gosses aidant les soldats. Les enfants qui étaient restés au pays se tournaient majoritairement vers les Funny Animals, quand la guerre ne les intéressait pas, bien évidemment. C'est en 1942 que Carl Barks dessina son premier comic book sur Donald. Carl Barks était un ancien animateur de chez Disney qui développa tout un univers autour du canard marin. Il est le papa de Picsou, Gontran, Mystique ou encore les Raptou. Les Funny Animals furent tellement populaires que même Shazam eut droit à sa version animale avec Hoppy, Captain Marvel, Bunny. En 1943, il se serait vendu 25 millions de comics par mois. Et Batman, tout comme le fantôme du Magal d'ailleurs, eurent l'honneur de passer par la case grand écran. Honneur dont il se serait bien passé puisque ce serial de 15 épisodes, produit par Columbia Pictures, en plus d'être fauché, n'est pas très très respectueux. Masque approximatif, la Batmobile n'est qu'une simple Cadillac grise, la Batcave fait plus débarras que grotte, etc. etc. Le serial n'est qu'un pamphlet patriotique comportant beaucoup de débordements racistes. Bah comme d'hab, hein, si tu veux en savoir plus, il y a un petit lien là et dans la description. Mais la guerre qui dura impacta également l'économie du secteur. Le papier fut rationné, diminuant du coup le nombre de pages et de publications. De nombreux petits éditeurs ne pouvant plus imprimer furent obligés de mettre la clé sous la porte. De nombreux auteurs et dessinateurs furent appelés au front et furent remplacés par des personnes moins expérimentées, impactant sur la qualité des dessins et des histoires. Il y eut un tel manque de manœuvre que le studio Will Eisner engagea même des femmes et des noirs, même des femmes noires. Ce qui était pas du tout courant à l'époque. Ainsi, alors que le nombre des comics avait été en constante augmentation depuis leur naissance, il se stabilisa en 1944, pour baisser par la suite. En plus du nombre important de maisons d'édition fermées, cette baisse peut être également imputée à l'exportation des comics, qui s'était fortement restreinte, à cause de la guerre, tout ça tout ça. Profitant de l'ambiance générale, Republic Pictures porta sa vision de Captain America sur les écrans. Mais vraiment sa vision, hein, car elle a pas grand rapport avec les comics. Puis en 1945, alors que le comic strip Brenda Starr fut adapté en serial et qu'Archie lui prenait vie sur les ondes de radio, la guerre s'arrêta enfin, avec ça. Ces images eurent un énorme impact sur l'imaginaire des auteurs qui rentraient au pays. Avec l'arrêt de la guerre, les gens eurent besoin de se changer les idées. Le divertissement, c'est-à-dire cinéma, radio, comics, repris de plus belle, sauf pour les super-héros. Peut-être perdirent-ils en crédibilité avec la perte de leur ennemi, les nazis? Ou peut-être rappelaient-ils trop une période qu'on souhaitait oublier? Ou peut-être avaient-ils tout simplement perdu l'attrait de la nouveauté? Toujours est-il qu'en quelques mois à peine, une bonne partie d'entre eux disparurent. Au profit des autres genres. Car les comic books, ça n'est pas que du super-héros. La population n'était plus la même qu'avant la guerre, et ça, les éditeurs s'en étaient rapidement rendus compte. Tout d'abord avec le best-seller d'après-guerre, Walt Disney Comics and Stories, qui visait les jeunes enfants. Mais également avec Archie, qui était devenu très très populaire et représentait un nouveau groupe social qui avait émergé, les adolescents. Mais il y eut également le public féminin, bien plus important qu'auparavant, sans oublier les enfants d'avant-guerre qui étaient devenus de jeunes adultes et continuèrent de lire des comics. Bref, du coup les éditeurs commencèrent à diversifier leurs publications, même si la cible principale restait les enfants et les adolescents.
Les méthodes de production évoluèrent également. L'appel au studio se fit de moins en moins, les éditeurs préférant engager directement les artistes, ce qui favorisa l'émergence de nouveaux genres comme Eerie, le premier comic book consacré au fantastique et à l'horreur, ou encore les classiques Illustrated, adaptation de classiques de la littérature qui apparurent en 1950. Mais aussi le développement d'anciens tels que le western, les funny animals bien évidemment, ou le policier avec les crime comics. On va y revenir dans quelques instants. En 1946, MLG se rebaptisa Archie Comics, société toujours en activité à ce jour. Gaines revendit All American Publications à DC pour fonder EC Comics. C'est donc à ce moment-là que Wonder Woman, Flash, Green Lantern et quelques autres passèrent dans l'écurie de Superman, tandis que Timely tenta de relancer le genre des super-héros avec son magazine All Winners, mais sans grand succès. Seul Wonder Woman, Batman et Superman chez DC faisaient encore des ventes honorables. C'est d'ailleurs là l'origine de leur trinité. Chez les concurrents, Captain Marvel tenait encore le coup, ainsi que les super-héroïnes, qui apportaient une touche d'érotisme. Mais le ton changea. Superman et Batman, par exemple, devinrent moins sombres qu'à leur début, se calquant sur Shazam. Plus d'humour y fut intégré pour attirer le jeune public. Comme dit précédemment, les images de Nagasaki et Hiroshima laissèrent une sacrée impression. Alors que la guerre froide en était à ses débuts, la peur de l'atomique se cristallisa également par le biais des comics. Captain Marvel se dressa contre la menace nucléaire. Atom Man, Atomic Man et d'autres hommes de l'atome apparurent. En 1947, tandis que Picsou fit ses premiers pas en même temps que Black Canary. Coïncidence ? Je ne crois pas. Joe Simon et Jack Kirby se firent à nouveau remarquer avec un comic book de leur invention, Young Romance. Ce dernier n'est ni plus ni moins qu'un comic book regroupant des histoires d'amour destinées exclusivement à un public féminin. Le succès fut fulgurant et un nouveau genre venait de naître, le romance comic. Genre dans lequel généralement le but à atteindre pour une jeune femme était le mariage, pour lequel elle devait tout sacrifier afin de connaître le vrai bonheur. Et le mariage avec un homme, hein, bien évidemment. You're fucking a white male! Les romance comics furent bien évidemment extrêmement populaires. Sinon, quel intérêt d'en parler dans cette émission? Au point de dominer le marché 3 ans plus tard. Mais restons en 1947. Pour terminer sur une note plus sombre, Max Gale, l'un des pères du comic book moderne, mourut dans un accident de bateau, tout en sauvant la vie d'un enfant. Tel héros des comic books qu'il aida à lancer. En 1948, l'homme d'acier eut enfin droit à une incarnation en chair et en os, avec... C'est réel qui ne marqua pas les mémoires, hein, pour le malheur de son premier interprète, Kirk Allen. Un an plus tard, l'horreur fit son apparition par le biais du second serial consacré à Batman, Batman and Robin. Non, je plaisante. Enfin, si, c'est une horreur quand même. Hein. Mais le genre de l'horreur était réellement représenté par le biais des comics édités chez EC Comics, c'est-à-dire Crypt of Terror et The Vault of Horror. EC Comics qui fut repris par le fils de Max, William Gaines. Le ton y était beaucoup plus adulte, moins moralisateur, certaines histoires se finissant très mal. Très mal. En fait, l'horreur ne fit pas son apparition à ce moment-là dans les comics, mais plutôt ses réels débuts. Toujours en 49, Marvel Mystery Comics s'arrêta, sonnant la fin pour Namor et Human Torch. Mais DC ne fut pas en reste, puisque Flash et Green Lantern arrêtèrent également d'être publiés. L'année suivante, c'est-à-dire en 1950, alors que Snoopy pointa le bout de son nez, que William Gaines édita Tell from the Crypt, que Superman se battait contre Atom Man dans son deuxième serial, le monde découvrit avec crainte que l'Union Soviétique possédait également la bombe nucléaire, et en Corée, une guerre venait de démarrer. Et relança les comics de guerre. Faut peut-être préciser que les romances comics saturaient les étalages pour le plus grand plaisir des garçons de l'époque. Bref, dans ce revival des comics de guerre, le ton y était beaucoup moins optimiste et naïf que ceux de la Seconde Guerre mondiale. Les héros y avaient des difficultés, ils en bavaient, bref, la place n'était toujours pas aux super-héros. Forcément, dans le contexte de la guerre froide, les communistes étaient devenus le nouvel ennemi. Du coup, on voyait des méchants communistes partout, même dans les westerns. Meurs, pourriture communiste. Mais l'ennemi le plus à craindre ne venait pas de l'Est. Oh non! Ce nouvel ennemi n'était autre que la télé! Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que pour un jeune américain, jusqu'à la fin des années 40, les comics étaient l'usine à rêve la plus accessible. On pouvait y lire des histoires incroyables dans plein de genres différents pour un prix modique. Mais la télévision commença à se démocratiser, entrant ainsi en concurrence avec les comics, mais également le cinéma, qui au passage venait d'adapter Gasoline Alley, ou le Yellow Kid en film. 1950 sonna le glas de l'ère des super-héros chez Timely, puisque Captain America s'arrêta. Il était le dernier des super-héros encore publié par la future Maison des Idées. Et alors que la science-fiction qui galérait malgré la présence de Flash Gordon commença à émerger, merci les débuts de la conquête spatiale, que le fantastique, l'horreur mais également les comics d'aventure avec leurs héroïnes sexy étaient en pleine ascension, un vieux genre ressurgit, le policier ou crime comics. Ce dernier mettait en vedette des histoires de meurtres, de gangsters, de policiers, rappelant la période des bandits de la prohibition où la violence forcément était très présente. Si tu as bien suivi, tu sais que le policier était déjà présent puisque Dick Tracy est né par exemple dans les années 30.
En même temps, c'est logique, les comic books imitaient les peuples sur de nombreux points, et dans ces derniers, le hard-boiled, sous-genre policier, était très présent. C'est quoi le hard-boiled ? J'en parle dans mon épisode sur Dredd. Juge Dredd. Le chef de file de genre était Crimes Does Not Pay, de Liv Gleason, qui existait depuis 1942. Le magazine alternait entre récits inspirés de faits réels et les films noirs. C'est quoi les films noirs ? Des films faits par des noirs pour des noirs ? Je crois que tu parles de la Blaxploitation. La Blaxploitation, c'est pas l'esclavage, l'exploitation des blacks ? Alors n'écoutez pas l'autre idiot là. Le film noir n'a rien à voir avec la Blaxploitation ou l'esclavage. Le film noir est un genre cinématographique né aux États-Unis vers 1946. C'était généralement un film dans lequel le protagoniste, noir ou blanc ou asiatique, n'importe quelle ethnie, on s'en fout. Enfin, on va pas se mentir. À l'époque, ils étaient généralement, voire exclusivement blancs. Bref, c'était un film dans lequel un détective privé, cynique, blasé, se retrouvait piégé dans une situation bien merdique. D'habitude, une enquête au cours de laquelle il rencontrait une femme fatale. Une femme désirable qui est, en partie, la cause de sa perte. C'est pour ça qu'elle est fatale. You're good. Thanks, Captain Obvious. C'est un genre qui a des codes très identifiables, tels que des décors généralement urbains, beaucoup de scènes de nuit, de pluie, etc. Le terme « film noir » fait référence à une collection de romans mettant en scène des détectives privés et qui s'appelait « La série noire ». Si tu désires voir des films noirs, je te conseille « Le Faucon Maltais » de John Huston ou « Assurance pour la mort » de Billy Wilder. Plus récemment, tu as « Blade Runner » de Ridley Scott ou « Seven » de David Fincher. Pour le jeu vidéo, Max Payne est clairement un hommage à ce genre. Et le film noir influença donc énormément les crime comics. Dès le départ, le public visé n'était pas les enfants, puisque les récits y étaient plus longs et plus sérieux, traitant de thèmes de société comme par exemple la délinquance juvénile ou encore le suicide. Après la guerre, ce genre de magazine commença petit à petit à pulluler pour atteindre leur apogée au début des années 50, détrônant les romance comics. Le genre était en plein boom, entre les films noirs au cinéma, les romans policiers et les comics, il y en avait à toutes les sauces. Mais parmi tous ces médias, seuls les comics furent dans le collimateur des parents, le plus facile d'accès pour leurs charmants petits bambins. On leur reprocha la violence décrite, mais également le fait que les crimes y étaient glorifiés. En même temps, s'ils en avaient lu quelques-uns, ils se seraient peut-être rendu compte que c'est pas tout le temps le cas. Tout ce que les parents y virent n'était que dépravation, horreur et crime. Certains comics furent même brûlés en place publique. Un autre genre déjà présent cartonna, le western. Pour te démontrer à quel point ce dernier fut très populaire, All Star Comics, le magazine qui mettait en vedette la Justice Society of America, s'était fait renommer All Star Western. Pas rien quand même, merde. En 1951, tandis que Time Lee changea son nom en Atlas, Superman eut enfin droit à un long métrage, qui était en fait un pilote pour une série de télé, dans lequel l'interprète fut changé par George Reeves. Énorme succès qui mena à la création de la dite série TV l'année suivante et qui dura 6 ans quand même, et ancra de manière durable Superman dans l'imaginaire collectif américain. En 1952, Mad, un magazine parodique poussant l'absurde jusqu'à l'extrême, fit son apparition dans les kiosques. L'année suivante, un nouveau procédé technologique relança les ventes, la 3D. Enfin, à nouveau, je vais pas faire un cours d'histoire sur la 3D, mais disons qu'au cinéma, c'était à la mode, mais pas nouveau. Donc, les éditeurs tentèrent le coup également, ce qui fut une bonne idée. Enfin, pendant un court instant. En parallèle, Atlas tenta de relancer, encore une fois, les super-héros en ressuscitant Namor, Cap et Human Torch pour leur faire combattre les cocos. Pourriture communiste. Le concept du multivers fit également son apparition dans une BD de Wonder Woman. Mais les comics de super-héros intéressaient vraiment moins. DC réussissait à encore bien vendre les siens, en partie grâce au succès de la série télé Superman. Mais même Fawcett ne pouvait plus lutter. Cette dernière arrêta tout simplement d'éditer Captain Marvel, mettant fin au procès qu'elle avait avec DC depuis plus d'une dizaine d'années. Finalement, Shazam s'inclina devant Superman. En parallèle, des plaintes d'associations de parents se faisaient de plus en plus entendre, critiquant toujours la représentation de la violence et du sexe. Selon eux, ces BD détournaient les enfants des bonnes lectures. Ils étalaient des crimes, des horreurs et des filles déshabillées. Faut dire que, contrairement au cinéma, télé ou radio, les comic books eurent toujours cette image de médias prioritairement adressés aux enfants. Et l'équipe est sauvage, avec Marlon Brando qui venait juste de sortir, n'arrangea pas du tout les relations entre les générations. Un film dans lequel la jeunesse y est représentée en rébellion avec leurs aînés, refusant le mode de vie de leurs parents, ce qui est assez représentatif des bouleversements sociaux qui eurent lieu à l'époque. C'est dans ce film qu'est née l'image du bad boy rock'n'roll des années 50. Il fit une forte impression sur la jeunesse qui s'y retrouva totalement. Et la fureur de vivre de 1955 avec James Dean enfonça un peu plus le clou. Pour les parents, ce fut plus facile de prendre un bouc émissaire que de chercher à comprendre leur progéniture. Et les comics, c'était plus simple à attaquer qu'Hollywood. Tout cela mena à la publication, en 1954, de l'ouvrage qui causa le plus de tort aux comics, Seduction of the Innocent.
du docteur Frédéric Vertam, ancien nazi adepte de la pédophilie nécrophile, la plus grande passion de rétrophile. Non, je plaisante, il est loin d'être le diable. Psychiatre, chef de clinique, enseignant et auteur de plusieurs livres, ce charmant monsieur, qui fit ouvrir un dispensaire gratuit à l'intention des pauvres, s'intéressa aux comics très tôt, dans le cadre de son étude sur l'influence de l'environnement sur l'éducation. Selon lui, les comics devaient être interdits aux moins de 16 ans, car ils étaient des acteurs dans la délinquance juvénile. Ils étaient aussi nuisibles que l'alcool et la drogue, encourageant l'homosexualité ou la pédophilie. En même temps, c'est vrai que c'est très étrange cette relation entre Bruce Wayne et Dick Grayson. Et il était arrivé à cette charmante conclusion en constatant que les délinquants juvéniles étaient de gros lecteurs de comics. Bon, en même temps, quel gamin de cette époque ne lisait pas de comics? Mais voilà, il raconta tout ça dans son charmant livre, qui fut un succès en librairie, et avait définitivement convaincu le grand public que les comics étaient un condensé d'horreur, produit par des dégénérés qui ne cherchaient qu'à corrompre la jeunesse dans le but de remplir les armées de Satan. Ce qui est complètement con. Satan recrute dans les rangs du FN, c'est bien connu. Puis, la mise en place d'une sous-commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la délinquance juvénile et son affiliation avec les médias, entre autres les comics, ne détendit pas l'atmosphère. Et les éditeurs, ils la sentirent pas à la suite, hein. Mais alors pas du tout. Craignant sûrement une situation similaire au cinéma, avec le macartisme qui sévissait à la même période, malmené par la presse, les éditeurs ne tardèrent pas à mettre, de leur propre chef, un code de moralité en place, Comics Code Authority, s'inspirant sûrement au passage du code Hays. Pour la petite histoire... C'est que ça. Du vol. Donc, pour la petite histoire, en fait, il existait déjà un code pour régir la moralité dans les comics depuis 1948. Mais tout le monde s'en foutait, donc il ne fut jamais appliqué. Mais c'est quoi le Comics Code Authority? C'est une idée de merde, c'est tout. Non, mais développe un peu quand même. C'était une association créée par les éditeurs, les imprimeurs, etc., etc., chargée de vérifier que les comics respectaient un code moral. Leur code moral. Si c'était le cas, alors le comic recevait ce logo. Et était édité sans problème. On pouvait encore le trouver jusqu'en 2011 sur des publications d'Archie Comics ou encore DC. Et si un comic ne recevait pas l'approbation de l'organisme? Eh ben, dans le cul, Lulu! Il n'était tout simplement pas édité. Ce Comics Code eut un énorme impact sur la manière de raconter une histoire. C'est à cause de lui que Batou passa du statut de justicier dark à allié de la police, que le Joker passa de criminel psychopathe à escroc absurde, que la femme, cette tentatrice sexuelle, passa au second plan, devenant un modèle de la femme au foyer traditionnel. Cela fut particulièrement visible dans les romance comics, où la femme n'avait qu'un but dans la vie, se marier. De ce fait, leur place chez les super-héros était gênante. Petit à petit, elles disparurent ou étaient reléguées au rang de sous-fifres ou de copies de leur version masculine. Les comics de jungle, d'aventure, qui mirent souvent en couverture de jolies jeunes femmes en très petite tenues s'arrêtèrent tout simplement. Tous ces facteurs diminuèrent fortement l'attractivité des comics, entraînant la chute de studios et de nombreux éditeurs. Comme EC Comics, spécialisé dans l'horreur, ou Liv Gleason, spécialisé dans le crime. Timely sortit ses derniers comics de super-héros avant de se tourner vers la science-fiction, le western et la romance. DC resta la dernière à faire dans ce genre, malgré des histoires de moins en moins passionnantes. Le Comics Code Authority mit définitivement fin à l'âge d'or des comics. Donc qu'est-ce qu'on retient de cet âge d'or? Ben, que ce fut la période de naissance des super-héros, des grosses maisons d'édition américaines comme DC, Marvel et Archie Comics, mais également le développement de plusieurs genres. Malgré des histoires basiques et des dessins simplistes, ils s'en vendaient des millions d'exemplaires par mois. Et c'est durant cet âge d'or que les comic books devint un élément important de la culture populaire. Et les adaptations alors? Pas grand-chose à dire. Hein. Les super-héros furent très rapidement récupérés par le cinéma, comme tu as pu le constater. Mais pas pour le noble format du long-métrage, mais celui du serial, qui semblait être le plus adapté étant donné que la construction narrative d'un serial était très similaire à celle des comics, c'est-à-dire des histoires en épisodes où chaque chapitre se terminait par un suspense. Il semblait donc logique également que le format s'empare des super-héros. C'est une pratique courante d'adapter le succès d'autres médias en serial, comme Mandrake, Dick Tracy, Lone Ranger, The Shadow, Zorro et encore bien d'autres. Mais le serial était avant tout un film à petit budget, donc les histoires n'étaient pas complexes pour un sou, surtout qu'elles devaient être compréhensibles pour le spectateur qui n'avait pas vu les épisodes précédents. Donc généralement, ça se résumait à un simple affrontement du bien contre le mal. Les personnages étaient des archétypes, pas développés, et les films misaient surtout sur leurs scènes d'action. Dès le départ, les super-héros n'ont pas été utilisés pour les idées qu'ils auraient pu véhiculer ou parce que c'était des sujets intéressants, mais uniquement parce qu'ils étaient très populaires en fait. Notons tout de même une influence entre les médias, avec la kryptonite par exemple, ou l'apparence d'Alfred, qui est due à l'acteur qui l'interprétait dans le série de 1943. Mais l'arrivée de la télévision sonna petit à petit la fin des céréales, prouve encore la migration de nos encapés vers la petite lucarne.